Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans une vidéo qui va être très particulière. Oui, je sais, lorsque vous avez dû ouvrir la vidéo, vous avez dû dire « Bah mince, c'est qui? C'est plus Jo qui présente ?» Non, j'ai voulu vous faire une petite surprise, puisqu'aujourd'hui on a fait la dernière journée de tournage pour le trailer. Donc du coup, je voulais vous faire une petite surprise en vous faisant une vidéo de comment je serai dans la série. Bon, alors évidemment, vous m'excuserez, le make-up, il est un petit peu dégueulasse, hein, parce que voyez-vous, on a tourné toute la journée. Donc bon, il reste pas grand-chose. Là, vous voyez juste les ruines du personnage, hein. Vous inquiétez pas, dans la série, j'ai une meilleure tête quand même. Et bien sûr, il y a tout le costume qui va avec. Je vous fais cette vidéo très très spéciale. Je vous fais pas de tirage. Déjà, pour vous faire un point, hein, sur plein de choses qui vont arriver. Pour vous faire un point aussi sur ce que notre cher président vient d'annoncer ce soir en date du 28 octobre. Voilà. Et puis, vous parlez de plein de choses. Alors, la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, j'en sais rien, on verra bien. Tout d'abord, comme vous avez pu le constater, je vous ai pas fait de vidéo depuis lundi. Pourquoi? Parce que, comment vous dire que je le flairais? Je sentais arriver le confinement vitesse grand V. Donc du coup, on a essayé de doubler la cadence de tournage pour au moins vous proposer le trailer sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on a fini les dernières scènes. Donc en théorie, dans les jours à venir, on pourra au moins vous poster la première vidéo qui sera le trailer. Comme vous en doutez, puisque ça y est, nous sommes en confinement à partir de demain minuit, pour une période donc d'environ 5 semaines jusqu'au 1er décembre. Donc ce qui fait que la série pour le moment, eh bien, elle est en pause. Donc ce qui fait que vous ne verrez pas le sabbat de Samhain. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis dégoûté parce que le sabbat de Samhain cette année était exceptionnel. On avait la 13e lune, la lune bleue, la lune des sorcières, qui coïncidait avec le sabbat de Samhain. La prochaine configuration astronomique comme celle-ci ne sera pas avant 2039. Donc autant vous dire que je les ai là. Mais c'est même plus des boules, c'est, comment on pourrait dire, des boules de bowling là, que j'ai à ce stade là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, pour la série, on filme plus rien. Et puis, bah, faudra attendre. Donc on vous proposera au moins le trailer. Ça fait bizarre d'avoir des cheveux comme ça à tortiller. On vous proposera au moins le trailer pour que bah, vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, hein. On a tourné 2-3 scènes aussi qui serviront plus tard dans des épisodes, vous découvrirez ça. Et c'est pour ça du coup que je vous ai rien fait depuis lundi. Enfin, c'est pas que je vous ai rien fait, parce que je vous ai quand même fait la review de L'Oracle, l'œil dans le noir. Je vous ai fait une vidéo spéciale justement sur eh ben, notre futur avenir. Et apparemment, eh ben, c'est pas censé me rassurer parce que ce qui vient de se produire aujourd'hui, c'est la première étape de validation sur le tirage que j'ai fait. Voilà, donc j'espère que la suite ne va pas se réaliser, parce que si c'est le cas, on caca. Bref. Et autant vous dire aussi que ce week-end était très compliqué parce que, comme je vous l'avais dit, on dormait donc au château. Alors la nuit a été extraordinaire, vraiment. Tout d'abord, j'aimerais remercier très chaleureusement et du fond du cœur les propriétaires du château du Rousset qui nous ont donné les clés du château. On a pu en jouir pendant presque une semaine complète. C'était magique parce qu'avoir un château à soi. Je sais pas comment vous dire, c'était une expérience qui était incroyable parce que c'est pas comme quand vous êtes client, quand vous réservez une chambre dans un hôtel, dans un château, hein. Là, vous êtes client, enfin, vous êtes assez limité, que là, on n'était pas limité, justement, on pouvait vraiment profiter du château dans ses moindres coins. On avait l'impression d'être des châtelains, c'était incroyable. Et le fait de dormir, alors, je vous cache pas on a très très mal dormi, on n'a pas dormi en fait quasiment du tout. Parce que le château, je vous explique, il a plus de 800 ans, il est dans son jus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité. Enfin, si, il y a un petit peu d'électricité, mais on n'osait pas trop l'utiliser pour éviter de faire péter les plombs. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de chauffage. Donc, comment vous dire, comment ça a un petit peu pelé les fesses, mais c'était marrant. Et puis, bah, surtout, voilà, tout l'aspect historique du château, c'était incroyable. En plus, on a vécu une petite expérience qui était un petit peu bizarre quand même, un petit peu bizarre, puisque sur les coups de... c'était 4h30, 5h, il y a
quelqu'un, quelque chose qui a toqué à la porte, qui a toqué trois fois. Alors c'était pas un gros boum 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 contre la porte, mais c'était plus un toc toc. Vous savez, comme quand avant de rentrer dans la chambre de votre enfant qui est malade par exemple, vous avez toqué doucement, excuse-moi, je te dérange pas. Vous voyez, c'était plus un toc toc comme ça. C'était pas un toc, c'était un toc toc un peu timide, comme pour nous dire est-ce que je peux entrer, je vous dérange pas, voilà. Et voilà, bon, c'était particulier, mais en soi, le château a de bonnes énergies, il a de bonnes ondes, il n'y a rien, c'est un château qui est sain pour Slon quand même, qu'il a beaucoup d'histoire, qu'il a pas mal de siècles aussi. Il est sain, il n'y a pas d'énergie lourde, il n'y a pas de résidus, c'est vraiment un lieu extraordinaire. Et si, alors bien sûr, quand on sera sorti du confinement, mais si un jour vous passez dans le département du 42, je vous invite vraiment à aller visiter ce château qui est très joli et qui mérite d'être découvert, vraiment. Ensuite, donc maintenant on va parler concrètement de qu'est-ce qui va se passer là. Alors, vous savez aussi que normalement le 15 novembre, je devais arrêter les précommandes pour l'oracle du veilleur. Bon, le problème est réglé, c'est que déjà les précommandes, je vais les arrêter tout court, puisque de toute façon, l'oracle du veilleur, vous l'avez maintenant à dispo sur le site de MPC. Petite parenthèse, je vous remets dans la description sous le titre, hein, je vous remets la boutique MPC et justement, je vais parler de ça. Puisque, vous le savez, MPC est établi en Chine. Et là, notre président vient d'annoncer que les frontières externes du pays seraient désormais fermées. Alors, ça me fait poser plusieurs questions. D'une part, pour tous ceux qui ont commandé leur jeu sur MPC avant l'annonce du confinement, j'espère de tout cœur que vous recevrez vos jeux. Moi-même, je dois recevoir le prototype de l'Oracle du Veilleur, la nouvelle version. Mais comme le confinement vient d'être prononcé, je sais pas. J'espère, donc pour tous ceux qui ont commandé sur le site que vous recevrez, j'espère. Et surtout, je ne veux prendre aucun risque. Je suis dans l'obligation de décaler les envois pour l'oracle du veilleur. Tant que le confinement, tant que les mesures ne seront pas levées, je ne veux absolument pas prendre de risque que le colis se perde, qu'il soit arrêté aux douanes le temps que le confinement se termine, etc., etc. Je ne veux pas prendre de risque. Donc, les commandes, tous ceux qui ont commandé l'oracle du veilleur à l'heure actuelle, eh bien, je suis dans l'obligation de décaler le bon de commande, c'est-à-dire que je commanderai vos jeux dès que les mesures de confinement seront levées et surtout que les barrières, les frontières seront réouvertes, parce que j'ai vraiment pas. Alors, d'une part, j'ai pas l'argent pour m'amuser, surtout que c'est votre argent, hein, donc je peux pas m'amuser à commander des jeux qui vont finir bloqués quelque part, pire encore, perdus, parce que du coup il faudra que je soit rembourse, soit que je relance une autre commande. Autant vous dire que ou rembourser ou passer une autre commande, ça va être impossible pour moi financièrement, hein, puisque je vous rappelle que l'argent que vous me versez, il sert à payer le jeu, hein, tout simplement. Moi, je sers de transition avant d'avoir créé ma boutique, chose que j'aurais dû faire en fait dès le début. Je sais pas pourquoi, j'ai pas créé la boutique avant, ça aurait réglé tellement de problèmes. Voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, bref, c'est pas grave, c'est fait maintenant. Donc voilà, donc tous ceux qui ont commandé l'oracle du veilleur, j'espère que vous aurez bien le message, hein. Malheureusement, je ne pourrai pas lancer les commandes à partir du 15 novembre, comme je l'avais stipulé il y a 2 mois de ça, en arrière, parce que aujourd'hui la situation a changé et que je ne veux pas prendre le risque de commander vos jeux, qu'ils se perdent, etc. Je préfère que vous attendiez 1 mois ou 2 et être sûr que vous receviez vos jeux plutôt que je les commande là, et que le truc soit perdu et qu'on n'en revoie jamais qu'on n'en revoie jamais la couleur, que vous ne reveillez, que ne vous revoune... Je vais recommencer moins crispé. Hein. Que vous ne revoyez pas non plus la couleur de votre argent, parce que je ne pourrais pas vous rembourser, ou en tout cas pas tout de suite, hein, peut-être sur 10 ans éventuellement, on fera des échéances. Soit repasser une commande après. Non, je ne veux pas prendre de risque, donc je préfère qu'on attende, et je pense que vous serez tous d'accord aussi pour attendre. Puis de toute façon, en admettant que je les commande, en admettant que je les reçoive, de toute façon, tout va être fermé maintenant. Donc vos jeux, je ne pourrais même pas les envoyer. Hein, on ne peut pas sortir. Donc le problème, il va être réglé. Dans tous les cas, vous seriez obligé d'attendre. Donc voilà. Ensuite, l'avantage de ce confinement, c'est que ça va me permettre de pouvoir rattraper mon retard, parce que
Je me suis pas montré très disponible sur la chaîne parce que je voulais à tout prix vous faire plaisir. Donc du coup, en plus que mon flairait confinement arrivait à grands pas, on a préféré du coup tourner toutes les scènes pour au moins vous offrir un petit quelque chose, hein, parce que je peux pas vous balancer comme ça de but en blanc qu'on a créé une nouvelle chaîne avec une web série machin et tout, vous faire envie et puis rien vous mettre. Alors je sais que c'est pas de notre faute, mais voilà, ça nous frustre un peu. Donc du coup, on a mis toute notre énergie pour tourner tout ce qu'on voulait, pour au moins vous faire une petite vidéo à regarder, un petit trailer. Et l'avantage du coup maintenant, c'est qu'avec le confinement, je vais pouvoir rattraper mon retard, parce que j'ai des consultations en retard. Je vais pouvoir également vous faire des vidéos. Alors on fera des vidéos à thème. Du coup, je vous ai prévu un petit quelque chose pour le 31, pour le 31 octobre, parce que bah, du coup, bah, on le passera ensemble. Donc ce que je ferai... J'avais envie de vous faire un truc qui soit axé spiritisme, vous savez, comme la séance que je vous avais faite. Je voulais vous faire vraiment un truc sur une thématique Halloween, enfin Halloween, Samhain, excusez-moi. Parce que finalement, la préparation de Samhain, vous la connaissez, je vous avais déjà fait la vidéo l'année dernière, je vous avais déjà montré comment est-ce qu'on fait une lanterne Jack, etc., etc. Ça sert à rien que je vous le refasse, donc je préfère carrément vous faire un truc spécial Samhain, un truc spécial Halloween, et puis voilà. Du coup, je vous ai prévu aussi, ben, on fera des guidances spéciales. On fera... Alors... J'ai envie de dire que ça sert à rien que je vous fasse les énergies du jour pendant le confinement, parce que on sera une minorité à travailler, ça va refaire comme pour mars dernier, donc ça sert à rien. Donc je préfère en fait vous proposer des vidéos qui soient utiles, à savoir par exemple le week-end je vous fais les énergies de la semaine à venir, et dans la semaine je vous fais des vidéos type guidance générale sur thème d'amour, etc., etc. On se fera des séances de bol tibétain, on se fera des séances de relaxation comme je vous avais fait la première fois. Vous vous souvenez de la vidéo qui s'appelle Respirer, souffler? Je vous en ferai dans ce style-là. On fera des vidéos spéciales bien-être, d'accord? On se fera des vidéos aussi, je parlerai des bienfaits, des fruits, des légumes, des huiles essentielles. Hein, comment est-ce que vous pouvez protéger votre corps avec tout ce qui se passe là? Voilà, on se fera vraiment des vidéos bien-être, des vidéos guidance, etc., etc. Et les énergies du jour, je les mets en stand-by pour vous faire les énergies de la semaine, qui sera, je pense, mieux, plus approprié pour le contexte actuel. Et puis voilà, moi, ça me permettra du coup, à côté, de pouvoir vous faire des trucs à thème et des vidéos un peu plus sympas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je sais plus, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Alors, ce que je ferai aussi pour ceux qui ont commandé les jeux sur MPC, excusez-moi, je pense à plein de trucs en même temps. Pour ceux qui ont commandé les jeux sur MPC, je vous ferai une vidéo. J'espère que c'est le chat. C'était bizarre ce bruit, ça a fait un gros bruit. Ce que je ferai, dès que si je reçois l'oracle du veilleur, je vous ferai une vidéo pour vous dire du coup qu'il n'y a pas de souci. On reçoit les trucs, d'accord? Parce qu'il est parti il n'y a pas très longtemps. Donc comme là, notre président a annoncé la fermeture des frontières à partir de demain minuit, je ne le recevrai pas demain, ça c'est sûr, hein. Il va arriver, je pense, début de semaine prochaine, en théorie. Donc du coup, je vous dirai si je l'ai reçu pour vous rassurer aussi ceux qui ont commandé. Et puis du coup, pour ceux qui voudraient aussi commander, pour vous dire si vous pouvez, hein, si ça risque rien, si vous recevrez bien. Normalement, oui, vous devriez recevoir, surtout si vous commandez juste un ou deux jeux. Hein, si c'est des petits colis, des petits paquets, il n'y a pas de souci. Ça ne sera pas bloqué aux douanes. Normalement, c'est censé passer. C'est les gros colis, en fait, dont j'ai peur qu'ils ne passent pas. C'est surtout ça, en fait, qui me fait peur. C'est pour ça que je préfère décaler l'oracle, enfin les commandes qu'on devait faire là pour l'oracle du veilleur, parce que ça va arriver en 2-3 cartons et je peux pas, j'ai trop la trouille, je vous jure, non, je peux pas, donc je préfère attendre, je pense que c'est plus raisonnable. Et puis voilà, je crois que c'est tout, je crois que je vous ai tout dit, je réfléchis, mais oui, de toute façon, dans le pire des cas, je vais faire comme notre président l'a annoncé, c'est-à-dire que je vous ferai peut-être des vidéos régulièrement pour vous faire un petit point info en fonction aussi de la situation, comment est-ce qu'elle évolue, pour voir s'il y a des choses qui peuvent évoluer. Et puis n'oubliez pas de bien consulter l'onglet communauté. Alors je sais que tout le monde ne le fait pas, donc je vais vous montrer parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils ne savent pas faire. Alors regardez, je vous montre.
Quand vous allez sur la chaîne, voilà. Est-ce qu'on voit? Oui, quand vous allez sur la chaîne, vous voyez, vous avez l'onglet Accueil, vidéo, playlist. Et vous allez ici, vous faites défiler et vous avez l'onglet ici Communauté. Vous cliquez dessus et là, vous avez des posts que je vous mets. Voilà. Quand j'ai besoin de vous transmettre une petite info qui ne mérite pas de faire une vidéo, parce que bon, c'est juste un truc comme ça que je partage avec vous, je le mets dans l'onglet Communauté de la chaîne. D'accord? Normalement, tout le monde y a accès, hein, à ça. N'hésitez pas à regarder souvent parce que je vous mets parfois des infos qui peuvent être utiles et importantes. Et puis aussi, n'oubliez pas de regarder aussi Facebook parce que Facebook, c'est vraiment la page Facebook L'œil dans le noir, c'est vraiment le support de communication quand il y a des trucs importants, par exemple, moi je sais pas, quand je vous parle du dernier oracle que j'ai sorti, etc., etc., très souvent les infos vont d'abord sur Facebook et ensuite je vous l'annonce sur YouTube. Donc n'hésitez pas à bien squeezer entre les deux pour avoir l'information. C'est-à-dire que si vous ne me voyez pas, par exemple, s'il y a un jour où vous ne voyez pas de vidéo de moi, c'est que certainement je vous ai mis une info sur Facebook de pourquoi vous m'avez pas vu, pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Très souvent, je vous donne l'explication. Comme là, alors c'est vrai que ce week-end, je vous ai pas fourni l'explication parce qu'honnêtement, le week-end a défilé à toute vitesse. On est rentré, j'étais claqué, vraiment claqué, claqué parce qu'on a passé le week-end à tourner et comme je vous l'ai dit, on n'a pas dormi du coup. Et j'étais vraiment morte chez mort. J'ai passé le dimanche à dormir. Le lundi, j'étais un vrai zombie. En plus, j'avais pris un petit peu froid. J'espère aussi que j'ai deux, trois taches blanches qui commencent à arriver sur une amygdale. Donc, j'espère de tout cœur que je vais pas me taper une angine blanche. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Quand vous me voyez pas, c'est que bah, de toute façon, vous le savez. Si vous me voyez pas, c'est que soit il y a eu une tempête ou encore un orage qui m'a détraqué Internet, donc Internet qui ne fonctionne plus. Soit c'est que je suis complètement capoute. Hein, voilà, c'est en principe, il n'y a que deux seules raisons qui font que vous ne me voyez pas. Hein. Mais rassurez-vous, vous allez beaucoup me voir là avec la période de confinement parce que bah, j'ai envie de vous dire maintenant, on n'a plus que ça à faire. Hein. Vous, moi, vous et moi, moi et vous, enfin voilà. Moi, je vais devoir bosser pour vous offrir du contenu, et puis bah, vous, je vais tout faire pour vous occuper. Et puis, bah, pour ceux qui ne travailleront plus pendant le confinement, bah, j'ai envie de dire, les journées vont être longues, donc bah, on essaiera de s'occuper. Hein. Au pire, si vous voulez, on fera des vidéos, et puis je lancerai une partie de Monopoly, et puis on essaiera de faire un truc avec des commentaires. Hein. Vous me mettrez en commentaire, tiens, je lance le dé, j'ai fait 6, tu me déplaces de telle case. Bon, je pense que la partie va être très longue, mais quoique ça peut être bon plan parce que il y a moyen qu'on puisse tenir du coup tout le confinement. Parce que le temps que je lise les commentaires, que je fasse les déplacements, que je refasse la vidéo pour jouer mon coup, hein, sachant que vous êtes quand même près de 5 500, à mon avis, il y a de quoi tenir le confinement. Non, allez, il faut en rire, les amis, même si je vous cache pas que ça me fait pas rire. Vraiment, ça me fait vraiment pas rire. Et puis alors, pour ça, Wayne, je vous garantis que je le prends vraiment très mal, cette histoire. Bon. Mais voilà, il faut qu'on essaye de garder la pêche, on essaye de rester positif, d'accord? Même si très clairement, ça va être très, très compliqué. Hein, il y a un moment où bah, je vous le dis très souvent et encore plus ces derniers temps, il y a un moment où faut arrêter les licornes, les paillettes, le culte à la lumière, etc., etc. Non, il y a un moment, il faut savoir voir la vérité en face, il faut savoir être concret, pragmatique, réaliste, objectif. L'espoir, c'est la seule chose qui nous reste pour le moment. Donc, il faut qu'on s'en arme, qu'on s'arme beaucoup d'espoir. Qu'on essaye de s'armer aussi de force, donc essayer de tenir bon, d'accord? Je sais que ça va être ultra compliqué, vraiment. Mais voilà, on a déjà survécu une première fois. On va essayer de puiser dans les dernières forces pour survivre une seconde fois, hein? D'accord? Et puis dites-vous que, de toute façon, ça n'a pas duré 107 ans, cette histoire. Il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Il y a quand même bien un moment où on va reprendre une vie à peu près normale, non? Je sais pas, ça peut pas durer quand même jusqu'à la cinglingue-là, donc voilà. Alors, voilà, pour vous, je sais peut-être que ça aidera pas certains, hein, parce que bah, les mots, voilà, mais parfois les mots, ça peut aussi faire du bien. Donc, rassurez-vous, ça va aller. On va passer ce nouveau confinement ensemble. Je vais trouver des idées, je vais essayer de faire plein de trucs pour, voilà, pour vous occuper, pour nous occuper, pour qu'on pense à autre chose, qu'on pense aussi à notre bien-être, qu'on se fasse du bien tous ensemble. Et puis voilà, et puis bah, hein, demain il fera jour, le soleil se lèvera.
Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort, les amis. Je vous souhaite de passer une bonne journée, par pitié aussi. Aujourd'hui, n'allez pas vous jeter dans les magasins à dévaliser les rayons, ça sert à rien du tout, vraiment. Vous pouvez toujours continuer à faire vos courses, donc ça sert à rien, un peu de civisme, un peu de responsabilité, d'accord? Donc allez pas faire des réserves de papier toilette et de pâte, quoi. Ah non, mais voilà, je sais que ça va en faire rire certains, mais je sais aussi que certains vont aller se jeter dès demain à Auchan, Casino ou Intermarché pour vider les stocks. Ça sert à rien du tout, d'accord? On partage d'ailleurs, on pense un petit peu à tout le monde, hein, parce que c'est bien joli de vider le rayon, de remplir votre chariot, mais il y en a d'autres aussi qui aimeraient bien faire leurs courses, hein. Donc on essaye un petit peu de partager les ressources, on essaye de pas trop être égoïste, égocentrique, etc. Hein, on essaye d'être un peu dans la bienveillance, dans l'altruisme, dans la solidarité, surtout durant cette période. Je pense que c'est dans ce type de crise, dans ce type de période qu'il faut se montrer encore plus solidaires les uns envers les autres, parce que là aussi, il faut être réaliste, beaucoup de personnes vont perdre leur emploi, beaucoup de personnes vont couler, littéralement. Donc voilà, hein, il faut qu'on essaye de se soutenir mutuellement, déjà moralement, et puis bah, physiquement si on peut, et voilà, on essaye de partager quand on peut, hein. En fonction d'eux. Allez, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous envoie tout mon courage. Ne craquez pas. Soyez forts, s'il vous plaît. Faites-le pour moi. Voilà. Ça, voilà. Hein, comme vous êtes nombreux à me mettre dans les commentaires que je suis votre rayon de soleil. Enfin, tous ces commentaires qui me font toujours très plaisir et qui me touchent beaucoup. Eh bien, votre rayon de soleil déclare là, aujourd'hui, soyez forts. D'accord? Ne craquez pas. Tenez bon. Et on va finir par s'en sortir. Hein, d'accord? Essayez de voir ça. Je vois rien du tout. J'ai une mèche devant l'œil. C'est très chiant, en fait, les cheveux. Hein, c'est vraiment pénible. Allez, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve. Qu'est-ce qui me fait mon ordinateur? C'est pas le moment. On se retrouve et je vous ai dit, je vais voir. Je vais commencer à lancer. De toute façon, je vais commencer à vous préparer les trucs pour Samhain. Et puis, je pense que les prochaines vidéos là qui arrivent, ce seront des vidéos spéciales Samhain, d'accord? Comme c'est le week-end là qui arrive. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Passez quand même une belle et une bonne journée. Et on se retrouve très vite. Gros bisous à tous.